30 premières secondes de la pénalité de Vincent Sonnet. Morgan Nass dans le territoire des Cats. Il est sur la droite. Nass attire deux joueurs à lui à passer. À Ducharme, tire et le but! Quel tir précis! Lui par Nass. Sonnet parvient à remettre à Nass Bomber devant le filet. De l'autre côté vers Sonnet. Tire, quel arrêt d'Alexis Schenk! Et l'officiel a sifflé l'arrêt de jeu. Alors, il va tomber en zone neutre et il s'est pris par Nass Bomber qui va tenter de s'échapper. Nass Bomber devant 5 a été rattrapé. Est-ce qu'il y aura un tir de pénalité? Oui, voilà le Suisse des Cataractes qui se voit offrir une occasion rêvée. Joué dans le premier engagement. Il reçoit le signal, prend la rondelle. Nass Bomber s'en va dans le territoire des Sacks. Il est du côté droit, revient vers le centre. Nass Bomber la fête, le tir bloqué par Alexis Schenk. Nass Bomber a tenté de surprendre entre les jambes par Lavigne. Par la suite, il passe à Nass Bomber. Nass Bomber voit sa passe être interceptée. Deuxième tentative, il remet à Léon Denis. Denis à Bourque, qui est sur la pointe gauche. Une première pénalité terminée. Drazg à Bourque est dans l'enclave. Bourque, c'est le but! Maverick Bourque marque alors que la première pénalité au Saguenayen est en train de se terminer. De pointe. Et il y a un dégagement des Cataractes dans le territoire des Saguenayens. La Palme, la longue passe tentée vers la break s'échappe. Tir bloqué par Blanchette. Le retour et le but. 2-1 Saguenayens, Claude. Steve, je pense que du côté des Cataractes, on va protester parce que quand on a retourné la rondelle dans le territoire des Saguenayens, Samuel Houd retourne la rondelle à Nass à la ligne bleue. Passe sur la droite à Marcotti. À Nass qui est en plein centre, près de la ligne bleue. À gauche à Houd, il s'avance en cave. Tir et le but. 3-1 Saguenayens. Oui, un tir des poignets qui avait des yeux, celui de Samuel Houd. Décoché très rapidement. Le filet grand ouvert. Bourque a passé à gauche pour Drazg. Drazg s'approche du filet, revient vers le coin. Vers Nass Bomber, tir bloqué par Schenk. Quel arrêt du gardien des Saguenay. Nass Bomber qui a levé les yeux au ciel. Oui, c'est la deuxième fois ce soir qu'il a passé vers Kotkoff. Kotkoff est en zone neutre. Il va traverser la ligne rouge, revient vers le centre, tire le but. C'est 4-1 Saguenay. Oui, cette fois-ci, ça règle les choses pour ce soir, Claude, les joueurs des Cataractes. Ils vont quitter les mains vides, le centre Gervais-Auto. Les Saguenayens n'ont pas volé ces deux points, Claude, dès la première.